Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je pousse mon café parce que sinon je vais faire des catastrophes. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo. Nous sommes le dimanche 12 mars. Donc hier, je suis allée faire des emplettes. Qui dit emplettes dit action. Donc j'ai plein de petites choses à vous faire voir. Il y a un petit peu de DP, il y a un petit peu de tout. Donc des choses que j'ai besoin pour le DP, d'autres que je vais avoir besoin pour le point de croix, parce que comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je me suis commandé deux toiles en point de croix et deux toiles en broderie perlée. Donc voilà, ça va faire partie de mes nouveaux loisirs créatifs. Que ce soit le point de croix ou la broderie perlée, je n'en ai jamais fait. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Je vais essayer toujours. Bon allez, c'est parti, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Donc j'aimerais vraiment vous faire voir tout ça. Donc pour commencer, je me suis pris, je vous le fais voir comme ça, si vous voyez en entier, un cahier de croquis. Ça va me permettre de stocker mes DP terminés en 30-40. Voilà. Pour les plus grands, pour l'instant, je ne sais pas. Mais parce que je peux pas tout mettre chez moi, tout mettre au mur, donc sinon on serait envahi d'épées. Déjà que j'en ai accroché pas mal, mais là pour le coup, les 30-40 maintenant vont être mis dans le cahier de croquis. J'ai eu cette idée en regardant les vidéos de Catherine. C'est une chaîne dont je vous ai donné le nom dans la vidéo précédente, je crois. Donc voilà, je suis allée à Action, je l'ai acheté, il était au prix de 3,69 € ou 3,89 €, je ne sais plus trop. Donc voilà, il se présente comme ça, hein, voilà, c'est cartonné. Et puis après, bah, vous avez des feuilles blanches. Hein. Voilà, ça se présente comme ça. Elles sont pas trop épaisses par contre, mais bon, on verra bien. Donc ça, pour le DP. Je me suis pris ça aussi. Voilà, 2 euros et des bananes. Je vais l'enlever de sa pochette. Pardon pour le bruit. Je vais faire vite. Tac. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Action. Tout ce que je vous présente, c'est Action. Donc voilà, parce que je vais en avoir besoin. J'ai une petite activité à faire en DP. Il va falloir que j'utilise de la colle et tout. Et j'ai pas envie d'en foutre partout sur mon bureau, donc je préfère en coller là-dessus. Enfin bref, c'est pas grave, mais au moins ça va pas abîmer le bureau. Voilà. Donc j'ai pris ça. Je me suis pris une petite boîte comme ça aussi. 2 euros et des bananes aussi. Je sais plus trop. Pour les prix, je suis vraiment désolée, je sais plus trop. Donc elle se présente. Si elle veut bien. Comme ça, vous avez plusieurs compartiments de plusieurs tailles. Donc là, vous avez un grand compartiment. Ici, vous en avez un plus petit. Des petits rectangles. Et puis là. Donc ça, je l'ai pris pour ranger tout ce dont je vais avoir besoin, soit pour le point de croix ou la broderie perlée. Donc il y a de l'autre côté aussi. Et c'est pas les mêmes rangements. De l'autre côté, c'est que des cases. Voilà, l'autre côté, c'est que des cases de même grandeur, à part les deux là. Voilà, je me suis pris ça. Ensuite, j'ai pris le pistolet à colle aussi, parce que bah, je vais en avoir besoin tout bonnement. Pareil, hein, pour faire des petits bricolages et tout, c'est quand même bien, bien pratique. Donc, je vais l'enlever de là-dedans. Déjà que j'y arrive. Il était au prix de 3,29 €, je crois. Je suis en train de faire. Je sais pas quoi, mais je fais. Voilà, ça y est, on y arrive. Hop. Donc, je vais garder la petite notice quand même, parce que ça peut servir. Que pareil, hein, j'en ai jamais eu entre les mains, ces petites bêtes-là. Donc, ça ne doit pas être bien compliqué, mais voilà.
comme je m'en suis jamais servi avant. Donc, dans le paquet, ils nous ont mis deux tubes de colle à insérer dans le pistolet, bien sûr. Un petit crochet. Donc, je suppose que c'est pour l'accrocher quelque part. Je vois qu'il y a un petit coin là, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Où on peut certainement insérer le crochet, je crois. Hein. Je ne sais pas du tout, je suis en train de voir parce que ça a l'air... Je ne sais pas. Mais écoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se met. Je ne sais pas, je verrai bien. Je vais pas me... Sinon, si j'arrive pas, ça va m'énerver. Donc, voilà. Hop ! Alors, ça vient par contre, excusez-moi, je vais vous préciser, de Centre-Accord, parce que je suis allée à Centre-Accord. J'ai fait plusieurs magasins parce que je voulais des bobinettes. Donc, action. Ils font bien de la laine, des fils à broder, tout ce que vous voulez, les aiguilles et tout et tout. Mais ils font pas non plus de boîtes de rangement pour la broderie. À Centre-Accord, des boîtes de rangement broderie, il n'y en avait plus. La dame m'a dit que ça partait comme des petits pains. Donc, bah écoutez, j'ai fait tout le magasin ou presque. Et j'ai trouvé ça. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 boîtes de tailles différentes. Si ça veut bien. Donc, voilà, qui se présente comme ça. Il y a deux petites. Une moyennement grande et une plus grande. Je les ai pris en rouge. Hein. Moi, et le rouge. Voilà, c'est un rouge, c'est plus bordeaux, plus chien même. Trop, ouais, si c'est rouge quand même. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, voilà. Donc dedans, dans les deux plus petites, je mettrai mes bobinettes. Voilà. Et dans celle-ci, ben, je mettrai certainement le fil qui me reste tout au long pour faire ma toile, je pense. Je pense que je vais faire comme ça. Pour le moment, je ferai comme ça, tant que j'ai pas de boîte... de rangement broderie, je ferai comme ça. Puis si je vois que ça y va bien, bah, je resterai comme ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, que ce soit Action, Leclerc, il n'y a pas eu moyen de trouver des bobinettes. Je les ai trouvées à Centre-Accord. C'était les derniers qui restaient. J'ai pris les deux derniers paquets. 2,99€, je crois. On va les ouvrir. Alors, je vais chercher ce qu'il faut. Enfin, la dame m'a dit en ce moment, tout ce qui est point de croix, la broderie, enfin tout, ça part comme des petits pains. Vraiment, elle me disait, entre ça et les diamond painting, elle me fait franchement, ils font pas tout. Enfin, rien ne fait long feu en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, dans un paquet, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, pour 10 bobinettes, 3 euros, enfin 2,99€. Je trouve ça un petit peu excessif quand même. Parce que je suis sûre que si j'en commande sur AliExpress, j'en ai le double pour beaucoup moins peut-être. Je dis bien peut-être, hein, parce que j'ai pas envie de m'avancer à vous dire des bêtises. Mais du coup, ouais, il n'y en a que 10 et enfin, ouais, ça fait peut-être un peu cher quand même. Mais bon, il m'en fallait. Donc, comme ma commande ne devrait plus trop tarder à arriver maintenant, je préfère avoir ce qu'il faut que d'attendre, de refaire une commande et de réattendre encore pratiquement 15 jours. Donc, voilà, je préfère avoir tout sous la main et pas être embêtée pour pouvoir préparer mes toiles et tout correctement. Donc, voilà. Bah écoutez, c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que ça rentre dedans? Oui. Mais c'est nickel. Donc voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable.
J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout le monde va bien. Je voulais profiter de cette vidéo aussi pour remercier les personnes nouvellement abonnées. C'est très très gentil à vous, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Donc je vous remercie de vous être abonnés et je vous fais des bisous au passage. Donc voilà, ça tient dedans. Ça prend pas excessivement de place, je peux peut-être même encore en mettre un peu. Donc nickel. Voilà, voilà. C'est une bonne chose de fait. Ensuite, les petits ciseaux pour mon point de croix. Donc j'ai trouvé ça, j'ai voulu en prendre d'autres, mais à Action ils n'en faisaient pas. Donc j'ai trouvé ceux-là. Bon, je pense que ça fera l'affaire, hein. Les petits ciseaux, ils sont très bien. Donc voilà. Je vais mettre ça dans ma petite boîte. Comme ça. Hop. Tout ce qui sera pour le point de croix, ce sera dans cette boîte. Les boîtes sont neuves, hein. Ça, elles sont difficiles à ouvrir, difficiles à fermer. Donc voilà. J'ai pris de la colle en stock pour le pistolet, du coup. Je suppose que un tube de colle comme celui-ci, ça doit aller extrêmement vite quand on s'en sert. Donc, je préfère en avoir sous la main. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, toujours Action grâce à Catherine, le petit rouleau de colle pour coller mes DP dans mon cahier de croquis. Et j'ai vu aussi sur une vidéo que... Il arrivait parfois qu'il y avait des endroits sur vos DP où ben ça ne collait pas. On n'arrivait pas à poser les diamants. Ça m'est arrivé une fois avec le DP que je suis en train de faire actuellement de chez Action. D'ailleurs, le DP plume, il y avait un coin où ben il n'y avait pas de colle, ou il n'y en avait peut-être plus, je ne sais pas, sur la toile. Et du coup, j'étais embêtée pour poser mes diamants. Donc, j'ai dû me débrouiller tant bien que mal pour faire tenir mes diamants. Donc j'ai mis un petit peu de colle que j'avais acheté aussi à Action, les petits tubes de colle liquide là. Et du coup, j'ai vu sur une vidéo, comme je vous disais, qu'il y a une youtubeuse qui se servait donc de ça pour rajouter un peu de colle sur les parties où il n'y avait plus de colle sur les DP. Et apparemment, ça marche du tonnerre, ça tient bien, les diamants tiennent bien. Donc voilà, du coup, petit rouleau de colle pour mes DP, pour le au cas où, et surtout pour les coller dans mon cahier de croquis. Maintenant, on va passer au DP. Donc, je sais pas ce qui se passe à Action. Il y a des DP pour adultes, mais c'est que les anciennes collections. Donc, il reste énormément de DP de la série des DP en diamant carré. Je crois qu'ils n'ont pas fait fureur en fait. Il leur en reste énormément. Ils n'arrivent pas à les faire partir. Et s'il y a des nouveaux DP de sortie de chez Action, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collection, nous on les a toujours pas. Il nous reste que des anciennes collections. Voilà. Donc je me suis ruée dans le rayon enfant. Parce que j'avais envie d'y acheter du DP quand même. Ah oui. Les petits pinceaux, parce que je vous ai dit que j'allais faire une activité DP, et c'était pour ça que j'avais acheté le plan de découpage vert. Donc j'avais besoin de pinceaux avec une mine assez fine. Vous pouvez le voir. Donc du coup, j'ai acheté ceux-là. Ils étaient à 1,19€ les 6. Donc voilà, j'ai pris. Donc comme je vous disais, je me suis ruée au rayon enfant. Et j'en ai trouvé. Donc, on va commencer par les plus petits. Et j'ai trouvé ceci. Ce sont des stickers à diamanter. Donc, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs thèmes, hein, vraiment. J'ai pris vraiment ceux qui me plaisaient le plus. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas tous pris. Donc, j'en ai pris un sur le thème de la mer. Et l'autre, c'est des stickers... Il y a des cornets de glace, il y a des petites parts de gâteau. Donc, pour décorer mon cahier de croquis et aussi pour que mon fils puisse faire aussi un petit peu de stickers, voire autre chose que sa toile, parce qu'il est en train de faire une toile actuellement. Je vous avais dit que mon fils de 6 ans s'était mis à faire du DP.
Donc, je lui ai pris les petits stickers à faire. Donc, voilà, ça va l'occuper un petit peu et puis bah, ça va le changer un peu. Quand il aura fini sa petite toile qu'il est en train de faire actuellement, ben, il s'amusera à faire les stickers. Alors, je vais vous faire voir quand même. Ben, dis donc, le scotch, limite, c'est un antivol, hein, il tient bien. Donc, ceci sur le thème de la mer, les stickers. On va regarder les diamants. Et la boîte est vide. Donc, le toolkit de base, la plaquette, le petit pain de wax et le stylet. Ensuite, nous avons la petite fiche explicative pour faire nos stickers, hein, comment on fait quoi, pour ceux qui n'ont jamais fait. Donc voilà, ça explique bien tout, hein. On décolle la pellicule, on enlève un petit peu la pellicule de la wax, on plante son stylet dedans. Voilà, ça nous fait voir que le stylet est plein ici. La petite barquette où on met les diamants. Et voilà, il nous explique comment on pose après sur le DP. Donc ça, moi personnellement, je ne garderai pas. Donc voilà, les petits stickers, ils sont là. Le petit canard, le crabe, le bateau, le palmier, la tortue, le soleil. Ensuite, nous avons une étoile de mer, une pieuvre, une ancre, un petit poisson, la baleine et un phare. Donc ouais, ça en fait quand même 1, 2, 6, 12. Donc à diamanter, c'est bien. Et ça colle super bien. Les impressions sont vraiment bien faites sur les DP, sur le petit sticker, ça. Ouais, ça colle très très bien. Donc voilà les impressions. Vous voyez. C'est focus, pas focus. Enfin voilà, c'est super bien fait. Donc au moins, il verra ce qu'il fait. C'est cool. Donc les diamants. Enfin, tous les diamants servent pour la totalité des stickers, évidemment. Donc là, il n'y a aucun diamant. Il n'y a aucun diamant spéciaux, ni AB, ni rien du tout. Hein. C'est que des diamants normaux. Vous avez du vert, du rouge framboise, du jaune, un bleu foncé, un bleu clair, un vert clair. Un plus clair que l'autre déjà, un petit rose, un jaune clair, du blanc et du noir. Voilà, donc, en sachet ribambelle. Donc, les sachets bien imprimés aussi. Donc, pour mon petit loulou, c'est tout bénéf. Je pense que ça devrait lui plaire. Enfin, du moins pour s'occuper un peu. Donc la plaquette, je la mets par là. Ensuite, nous avons le deuxième paquet qui va se composer sensiblement des mêmes choses. Hop, stickers. Donc il y en a 12 aussi à diamanter. Le toolkit de base, donc la plaquette, le pain de colle et le stylet, la petite fiche explicative hein, comme dans l'autre. Donc voilà, 12 stickers à diamanter. Donc voilà, la petite glace, l'étoile, l'arc-en-ciel, ça doit être un bonbon ou non, c'est un petit cœur qui vole, je crois. Un éclair et la petite licorne ici. Sur l'autre, eh bien, c'est des gâteaux. Des gâteaux, pastèques, bonbons, glaces et gâteaux. Et un donut juste ici. Voilà, donc l'impression, pareil, est très bonne. Franchement, nickel. On va regarder si ça colle bien. Ouais, ça colle vraiment bien.
Nickel. Nickel, nickel. Donc ceux-là, c'est pour moi. Pour décoller, n'importe quoi. Pour décorer mon cahier de croquis, mais je pense que je laisserai mon fils les faire. On va regarder les diamants. Aucun strass, aucun diamant spécial non plus. Pas de AB, que des diamants normaux. Donc nous avons du noir, du blanc, du jaune clair, du bleu clair, enfin bleu ciel, un petit violet, un petit rose, un jaune plus foncé, un petit vert mentalo, il est beau celui-ci, j'aime bien. Un violet plus foncé et un autre rose un peu plus foncé. Voilà, pour le tour des diamants. Bien imprimé aussi sur les sachets. Super. Donc, pour les stickers, c'est fini. Ensuite, il y avait des magnétiques pour coller sur le frigo. Donc, mon ami Patou me disait qu'il y avait énormément de choix, sauf que moi, quand j'y suis allée, il n'en restait plus que deux. Donc, j'ai pris les deux derniers qui restaient. Donc, pareil, ça va être pour que mon fils s'éclate à diamanter. Voilà. Quand il aura fini son DP. Donc, on va regarder tout ça. Donc, oh, il est beau le stylet. C'est un rose, un vieux rose. C'est pas les roses clairs pétants comme tous les autres stylets. Et il est plus petit. Un tout petit stylet celui-ci. Oh, je l'aime bien. La plaquette et le pain de colle. Donc, voici les magnétiques en question. Donc, il y en a 4 par paquet. Donc là, vous avez un petit toucan ou un perroquet. Je pense plus que c'est toucan celui-ci. Un flamant rose. Un koala. Et un paresseux. Voilà. On va regarder si tout ce monde-là colle bien. Oui. Ça colle bien. Alors. Oui, je vais avoir du mal à l'enlever, je ne sais pas pourquoi. Ah si. Ça colle bien aussi. Enfin, je ne vais pas faire tout le magnète, mais nickel. Ça colle super bien. Le petit flamant rose. Aussi. Bah écoutez, ça colle plutôt bien. Donc, comme pour les stickers, tous les diamants pour tous les stickers de la boîte. Et nous avons les DMC sur cette vente d'épée de chez Action. Je crois que c'est la première fois que je vois des DMC sur les diamants de chez Action. Voilà. Donc nous avons un petit jaune. Donc je vais pas vous mentir, la DMC est là, 444. Là, c'est un marron. 420. Ici 310 du noir. Vous voyez? Du rouge, du camel, du rose, un rose très pâle, un vert pomme ou un vert anis, comme vous voulez. Et là, c'est deux sortes de gris. J'ai agréablement surprise. Hein. Ils ont mis les DMC, franchement. Nickel, je pensais, enfin, c'est la première fois, je crois, que je vois des DMC sur des sachets de chez Action. Donc, on va refermer tout ça. Je ne remets pas les toolkits à l'intérieur. Hein. Mon fils a déjà tous les stylets qu'il lui faut. On va passer donc à la deuxième boîte. Des magnétins hein, toujours. Et voilà.
Eh ben voilà. Ah oh, bah oui, d'accord. Bon. Hein, franchement, je suis pas très contente parce qu'on ouvre la boîte, il n'y a plus les protections dessus. Enfin, faites gaffe quand même. Je sais pas, moi. Vous avez bien vu, hein, j'avais pas ouvert les boîtes, elles sont neuves. J'ai pas ouvert. Alors, pour remettre ça maintenant, je vais m'amuser. Mais je pense que je ne vais pas attendre ceux-là. Je pense que je vais les faire parce que. Ah ouais, non, c'est pas cool. Bon, ben là, c'est bien protégé pour le coup, mais. Oh! Après, on s'étonne que les trucs ils collent pas. Bref. Le même toolkit avec le stylet rose bonbon, enfin rose bien clair. Donc, les diamants. Donc il n'y a aucun diamant spécial, hein, c'est que du diamant normal. Donc nous avons un petit escargot, une abeille, une coccinelle et une sauterelle. Voilà. Donc pareil, hein, les impressions. Sont vraiment nickel, donc ça colle, hein. Ça colle. Enfin, celui-là, je sais pas s'il va coller bien longtemps vu qu'il n'y avait plus du tout la protection dessus, mais tout colle très bien pour le moment. Celui-ci colle beaucoup mieux que celui-là, par exemple. Hein. Il n'y avait plus du tout la protection. Et l'escargot, nickel. Bon. Pareil, sachet ribambelle, diamant rond, hein, je précise. Et les DMC aussi. Voilà. Il y a aussi les DMC sur celui-ci. Donc, nous avons du bleu ciel, un bleu un peu plus foncé, du rouge, du gris, un autre ton de gris, du jaune, un petit marron clair, un vert pomme ou un vert anis, comme vous voulez, un vert plus foncé et du blanc. Voilà, voilà. Pour les magnettes, c'est terminé. Passons au DP un peu plus gros. Donc, il y avait plein de sortes de DP1 de cette gamme. Il y en avait plein. Je ne les ai pas tous pris. Comme dans les LOL, il y en avait vraiment plusieurs sortes. Là, j'en ai pris que deux sortes des LOL. Mais j'ai pris celui-ci. Donc, la petite LOL dans un petit coquillage. Je le trouvais plutôt sympa. Donc, je l'ai pris. Allez, on va regarder... que ça contient. C'est parti. Le DP. Oh là là. Ça va s'aplatir, mais. Ah, on a un petit sachet. Donc, bah, un petit sachet zippé. Écoutez. Le toolkit, la petite barquette rose, la wax et le stylet. Bon, écoutez, non, je suis une menteuse. Nous avons deux sachets zippés. Le DP. Voilà. Et le DP, il colle bien. Et les impressions aussi. Super bien faites. Donc voilà, c'est un petit DP qui va être bien sympa. Donc ici nous avons les diamants. Évidemment, le DP est tout en strass par contre. Voilà, je vous avais pas notifié, mais il est tout en strass. Donc je vous l'ai montré.
Nous avons du jaune, du bleu, du violet. Voilà. On a, c'est pas blanc, c'est un rose très 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 pâle. Et on a un violet beaucoup plus foncé. Voilà, ça c'est pour la petite poupée LOL. Donc comme vous voyez, la poupée par contre n'est pas à faire, c'est que le fond du DP. Le personnage, on le fait pas. Donc on peut dire que c'est une toile partielle, hein, parce que le personnage n'est pas à faire. Donc ça, pour ce DP. Pourquoi ça ne veut plus rentrer? Ah si. Hop, les petits diamants. C'est fait. Deuxième poupée LOL. Donc c'est celle-ci. Voilà. Ils étaient vraiment pas chers. Hein. Je crois qu'ils étaient même pas à 1 euro. Ils devaient être à 89 centimes, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ou 1,89 euro. Je sais plus. Donc voilà ma petite poupée LOL. Donc comme l'autre DP, le personnage n'est pas à faire, il n'y a que le fond du DP. Donc l'impression, vous voyez, hein, vraiment nickel. Ouais, ça colle moyennement bien, on va dire. Donc, hop. Rien dedans? Non. Donc voilà, donc pareil, hein, le toolkit, barquette rose, la colle et le stylet. Nous avons un sachet zippé, celui-ci. Les diamants, pareil, tout en strass. Alors. Je vais vous les montrer. Donc l'impression sur les sachets, elle n'est pas tip top par contre. Elle est un peu effacée pour quelques-uns. Donc ça, c'est du bleu, du rose. Un rose très très clair, un jaune et de l'argenté. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est des DP qui ont cinq diamants différents, 5 ou 6, mais pas plus. Je pense pas. On va voir avec les autres. Donc c'est des DP des 16 par 16. La première poupée LOL, une 16 aussi. Celle-ci, une 16 par 16 aussi. Pourquoi ça ne veut plus? Voilà. Tac. Ensuite, j'ai pris un emoji. Donc voilà, pour celui-ci, pareil, hein, 16 par 16, voilà. Donc celui-ci, je pense que mon fils aimera le faire. On verra bien. On va tout sortir de la boîte. Tac. Ah, celui-ci a plus de couleurs, j'ai l'impression. Donc. Et celui-ci n'a pas de colle. Voilà. C'est un DP vendu sans colle. Ils ont dû oublier de le mettre. Il n'y a pas de colle. Donc, ben, tout le kit non terminé, je dirais, la plaquette jaune pour celle-ci et le stylet rouge. Donc, ils l'ont mis là. Ah non. Le DP en question.
Donc voilà, il y a des petits emojis avec l'arc-en-ciel et tout. Je trouvais plutôt sympa aussi. Donc voilà. On va regarder les diamants. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 couleurs pour celui-ci. Donc nous avons du coca, enfin couleur coca, du bleu, de l'argenté, un violet, un turquoise. Donc ça c'est le deviner. Si je sais pas. C'est pas noté. Ou alors avec les diamants, on voit pas. C'est pas du noir, parce qu'il n'y a pas de noir sur ce DP. Je dirais que c'est la couleur la plus foncée. Donc ça, un bleu foncé, ouais. Mais vraiment très foncé, hein. Un autre petit violet clair, un rouge, un jaune orangé, un peu ambre, et le B, ouais, c'est un orange, enfin, sur le DP, la couleur est orange, mais là, c'est pas orange, ouais, c'est un petit rose. Donc, voici pour celui-ci. Mais ouais, l'impression sur les sachets est pas très belle, on va dire. Ça s'en va, c'est pas tip-top pour le coup. L'impression sur le DP est vraiment bien. Mais là, sur les sachets, j'ai connu mieux. Mais bon, il colle bien. Oui, il colle super bien. Donc, on va remettre tout le monde dans la boîte. Allez, c'est parti. Tac. Celui-ci, terminé. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un emoji avec une petite licorne, l'arc-en-ciel. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, ouais, j'ai pris. Je me suis ruée dans le rayon enfant parce qu'il y a vraiment, vraiment que là, dans le rayon enfant, où ben, je me suis fait plaisir, quoi, au niveau des pays. Parce que pour nous, il n'y avait rien, mais rien du tout. Alors, il y a autre chose. Non. Donc, le toolkit, donc le stylet un peu vert d'eau, là, un peu bleu, bleu, ouais, bleu. Il est beau aussi, je trouve, j'aime beaucoup. Le pain de colle et la barquette rose. Et cette barquette-là est plus claire que les autres. Les autres barquettes sont vraiment roses, très foncées, c'est rose clair. Donc celle-là aussi, je vais la garder pour le coup, parce que j'avais pas cette couleur. Donc voici le DP en question. Voilà. La petite licorne, le petit emoji qui vous envoie des bisous cœur, celui-là, l'arc-en-ciel et tout, je le trouve vraiment joli. J'ai hâte de le faire celui-là pour voir si ça va rendre aussi bien que comme ça. Donc l'impression sur le DP est vraiment très bonne. Ça colle bien. Donc on va passer au diamant, tout en strass toujours. Là, il y a tout le DP à faire. Il n'y avait que pour les poupées LOL où il n'y avait que le fond du DP, mais là c'est tout est à diamanter. Toujours des 16 par 16, hein, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 couleurs différentes, 10 strass différents. Donc nous avons un violet. Une ambre, couleur ambre, ouais, jaune, jaune. De l'argenté. Du rose très pâle.
un violet, toujours. Du noir, diamants normaux. Les diamants sont normaux pour le noir. Un rose, rose violet, ça tire un peu. C'est entre les deux, on va dire. Voilà. Nous avons un jaune, très très pâle. Un violet beaucoup plus foncé. Et un turquoise. Pareil, hein, l'impression sur les sachets est vraiment pas top, hein, par contre. Vous voyez là, le H, ça, il est mal imprimé, ça s'en va. Le C, ça va encore à peu près. Le B, vous voyez, l'impression est vraiment pas top. Le F, ça va. Le D, ça s'en va un petit peu aussi. Alors là, le E, voilà. C'est vraiment pas top, hein. Le C, il est en haut, là, donc si vous ne faites pas attention, vous l'arrachez, vous ne savez pas. Et pour les jaunes, c'est un K, et vous voyez, c'est pas top non plus. Ouais, les impressions d'épée, j'ai envie de vous dire, ils sont trop cassés la tête, quoi. Ah là là. Mais bon, on va s'en sortir quand même. C'est fini. Le petit dernier, c'est celui-là. Voilà, toujours un 16 par 16. Un petit emoji avec marqué Love juste en dessous. Le toolkit de base, stylet, plaquettes et colle. Voici le DP, qui est tout à diamanter aussi là, tout en entier. L'impression sur la toile est super. Donc j'ai oublié de vous dire, mais tous les DP, tous les petits DP que je vous ai fait voir sont pailletés. Ça colle super bien. On va regarder les diamants. Et bien alors, ben voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 strass différents. Donc, on a un petit violet clair, un rose, un jaune, de l'argenté, du bleu foncé, un violet foncé. Un violet plus clair, couleur coca et un bleu turquoise. Voilà pour celui-ci. J'aime bien quand c'est tout en strass comme ça fait super joli. Enfin, j'espère que ça fera super joli du coup, parce que j'ai jamais fait de DP où c'était que du strass. J'essaierai bien, tiens. Sur un plus grand DP, voir ce que ça donne. Ça me dirait bien de faire un DP où il n'y a que du strass. Du strass et des diamants spéciaux, un petit peu des deux. Enfin, j'aimerais bien avoir un DP en fait où il y a du strass, du diamant AB et du diamant spéciaux. Voilà. Un petit peu tous les diamants mélangés. Voilà, pour celui-ci. Il va être tout mignon à faire aussi. Toc. Et j'ai encore une dernière chose à vous présenter et après ce sera terminé. Comme mon fils s'est mis à faire du DP, pour l'instant, le DP qu'il est en train de faire ne nécessite pas forcément une tablette. Il a un éclairage avec une lampe vraiment qui éclaire bien, donc il n'a pas forcément besoin de tablette, mais sur son DP que je lui ai offert, enfin que sa tata lui a offert le dinosaure. Il aura forcément besoin d'une tablette. Il est vraiment très foncé, donc il vaut mieux avoir une tablette. Donc du coup, tablette à 3. Donc, moi j'en ai une que j'avais commandée sur
AliExpress. C'est celle dont je me sers depuis que j'ai commencé le DP. Ça va déjà faire un petit peu plus d'un an. Elle fonctionne très bien. J'ai pas à me plaindre. Mais du coup, comme mon fils va avoir besoin d'une tablette, je vais lui donner celle que j'ai là, moi, actuellement. Et moi, je prendrai celle-ci. Elle me paraît plus grande. Hein. Et pourtant, celle que j'ai achetée à AliExpress, c'est une A3. Mais elle me paraît vraiment plus grande. Donc, voilà, elle est bien emballée, par contre. Elle est vraiment bien emballée, rien à dire. Rien à dire. Celle que j'avais reçue chez AliExpress aussi était très très bien emballée aussi. J'ai eu peur hein, quand je l'ai reçue. Je sais dans quel état je vais la recevoir quand je vois que certains transporteurs, clairement, bon, n'ont un peu rien à faire de ce qui se trouve dans les colis. J'ai vraiment eu peur. Mais non, en fait, très bien emballée. Donc, bah, la voici. Voilà. Donc, je vais pousser peut-être le carton. En plus, ça va faire du bruit. Par contre, le carton, je vais peut-être le garder. Donc, on a le. Voilà. On a ça hein, avec qui nous explique comment la tablette lumineuse fonctionne. Donc, apparemment, il y a trois sortes de luminosité. Donc, une où ça peine, l'autre un peu plus et l'autre où ça éclaire vraiment bien. Elle est vendue avec le câble. Et chose que je n'avais pas chez AliExpress, elle est vendue avec l'adaptateur. AliExpress, elle n'était pas vendue avec l'adaptateur. Là, la tablette de chez Action est vendue avec l'adaptateur. Donc c'est plutôt bien, je trouve, parce que au moins, voilà, la tablette a son adaptateur. Toc. Donc elle est graduée. Vous voyez, elle est graduée. Donc 41 cm et demi en ici, 41 cm et demi sur 29 et demi. Voilà. Donc c'est bien. Franchement, elle a l'air nickel. Je ne l'ai pas encore essayé, vous voyez, je l'ai déballé devant vous, donc je ne l'ai pas encore inaugurée. Elle est graduée. Ouais. Je pensais que c'était juste le film. Moi, j'aimerais bien garder le film quand même. Non, je sais pas. Je sais pas. Celles qui ont. Bah non, en fait, je peux pas. Ça va faire dégueulasse. Non, je préfère enlever le film, en fait. Je vais enlever le film. J'aime pas. Bon, écoutez, je vais faire ça après parce que sinon, je vais vous en mettre plein les oreilles. Donc voilà, pour moi, cet unboxing est terminé. Il a bien mis bientôt 48 minutes. Ma vidéo est très longue et je suis vraiment désolée, mais j'avais quand même beaucoup de choses à vous présenter. Donc voilà, moi, je vais vous retrouver prochainement, voire vraiment très certainement pour un petit peu de DP avec vous. Et ensuite, je vous retrouverai aussi pour l'unboxing de chez AliExpress pour vous présenter tout ce que j'ai reçu. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés de la chaîne. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'espère que ça va continuer à grimper un petit peu, doucement mais sûrement, le temps que je me fasse connaître aussi, je pense. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Petit clin d'œil à Catherine que j'aime beaucoup, à Roselyne aussi, qui est vraiment très mignonne, qui n'hésite pas à commenter chacune de mes vidéos ou presque, et je la remercie énormément. Je t'envoie tout plein de bisous aussi. Donc voilà, je vous embrasse tous bien fort. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous aussi si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.